Coucou les amis, on est lundi. Le lundi, c'est le petit tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quel est votre animal qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Et sans doute que la semaine prochaine, nous nous retrouverons en direct du coup. Alors, voyons un petit peu quel animal vous accompagne et quelle énergie va vous accompagner tout au long de la semaine. Je vous propose de tirer trois cartes. Vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième carte. Et je fais votre tirage tout de suite. Alors, pour la première carte, hop, la deuxième et la troisième. Alors, pour la première carte, nous avons la très belle carte de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Voilà, libérez-vous de ce qui vous bloque dans votre passé pour pouvoir justement avancer. Pour la deuxième carte, nous avons la carte du cygne. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Sentez-vous à l'aise du coup où que vous soyez. Soyez en confiance et vous avancerez du coup avec grâce et aisance. Super. Sentez-vous comme un cygne tout au long de la semaine. Pensez comme un cygne. Ondulez comme un cygne. Bon, j'arrête. J'ai rien bu hein, pourtant. Pour la troisième carte, tiens, nous avons la carte de l'écureuil. Nous l'avons eue aussi la semaine dernière. J'assure ma sécurité en anticipant pardon, l'avenir de façon sereine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Donc si vous aviez choisi également la troisième carte, c'est un travail qui se prolonge pour vous tout au long de ces 15 jours. Voilà, d'anticiper l'année à venir, ou en tout cas l'avenir, de façon saine, c'est-à-dire en n'en faisant ni trop ni pas assez, en trouvant le juste milieu. Vous allez devoir travailler sur la voie du juste milieu. Voilà. Donc voilà pour vos messages. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!